puis il y a des moments d'émotion qui nous prennent énormément. C'est ce genre de cinéma-là qui vous plaît justement, que vous avez envie de fabriquer? J'imagine que la réponse est oui, puisque vous l'avez fait. Mais... Bien sûr, ouais, c'est ça qu'on aime. Nous, on aime bien passer d'une émotion à une autre. On sait très bien qu'en plus, une émotion nourrit l'autre. C'est peut-être parce qu'on rigole beaucoup que du coup, après, on se prend encore plus la claque de l'émotion et vice-versa. C'est parce qu'on est très ému qu'après, on va encore plus rire. Et puis en plus, on aime bien un cinéma le plus réaliste possible. Et il se trouve que dans la vie, c'est un peu comme ça, quoi. Dans la vie, il n'y a pas une année où on fait que rigoler ou une année où on fait que pleurer. Sur l'espace de 24 heures, tu vas passer d'une émotion à une autre. Donc voilà, on aime bien que cet ascenseur émotionnel, comme on dit, ce bouillonnement d'émotions, bah, on le retrouve pendant 1h45 dans un film, quoi. Ouais. Comme il a dit. Comme il a dit. Non, ouais, c'est important pour nous, mais même à l'intérieur d'une scène, dramatique, c'est toujours bien de désamorcer en mettant une petite vanne. Et effectivement, on se rend compte que même dans des situations très compliquées dans la vie, il y a des fois même un enterrement, tu peux rire. Donc c'est ce qu'on essaye d'apporter. C'est vrai que les choses sont souvent un peu quand même cloisonnées, surtout dans le cinéma. Et nous, on n'aime pas ça. Soit tu as des drames, soit tu as des comédies. On aime bien passer de l'un à l'autre. C'est ça qui est intéressant.